T'as aucune option, frère. T'as aucune autre option romantique. C'est pour ça qu'avec cette femme, en ce moment même, tu commences à te montrer dans le besoin. Tu commences à donner cette vibe, cette impression que t'es plus intéressé par elle qu'elle n'est intéressée par toi. Ce que t'es en train de faire, en somme, t'es en train de détruire l'attraction qu'il y a entre toi et elle. T'as aucune option, frère, parce que tu te mets pas au travail. T'essayes pas de devenir attractif. Certes, frère. Écoute-moi bien. Tu devrais jamais rechercher à avoir l'attraction des nanas. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu vas dire? Elle sait, qu'est-ce que ça veut dire pas chercher? Simple. Un homme, il est fait pour construire. T'es fait pour construire ton physique. T'es fait pour construire tes finances. T'es fait pour construire ta mentalité. T'es fait pour passer à l'action. L'homme, il est actif. La femme, elle est un peu plus passive. Lorsque tu es là à checker tes messages, à rentrer dans une zone de peur, à te dire s'il faut, je l'ai perdu, elle ne se dit pas ça. Pourquoi? Parce qu'elle a des options. Tu n'as aucune option. Donc, tu n'as aucune excuse dans le fait qu'elle perde de l'intérêt pour toi. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont des options. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a des options, il ne sera pas dans une zone de peur. Il sera dans une zone de confiance parce qu'il sait que si elle, elle foire, une heure après, il est avec une autre. Il a l'esprit d'abondance et c'est ça qui la tient en check. Qui la tient. Elle sait que, avec lui, je marche sur des œufs. Mais là, c'est toi qui marches sur des œufs parce que tu n'as aucune option. Tu t'es pas mis au travail. Tu sais, frère, je vais te dire un truc. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un effet domino? Lorsque tu es un homme qui progresse dans la vie, progresse corporellement, gros. Prends un minimum de muscles, même si c'est pas pour les demoiselles, tu devrais rien faire pour les demoiselles. Mais tu vas y arriver, gros, parce qu'à ce moment-là, tu n'as aucune option. Lorsque tu construis ton corps et que tu te sens bien, tu seras mieux que 95% des gens qui traînent leur carcasse pour aller au boulot le matin explosé comme un Kevin Chico éclaté qui n'a aucune ambition. Ton corps, frère, les gars, comprenez un truc. Vous avez jamais remarqué des gens qui prennent jamais soin de leur hygiène physique, c'est-à-dire qui essayent de se bâtir un minimum. Vous avez jamais remarqué qu'ils ont une basse estime d'eux-mêmes, ils sont souvent aigris, tout ça, parce que ton corps, il reflète ton intérieur. Tu bâtis tes options, frère, en ayant un minimum de vie sociale, gros. Il te faut une vie sociale, tu peux pas rester bloqué sur ce bout de plastique de 10 cm sur 5, qui est là et qui te dit si tu scrolles à gauche, si tu scrolles à droite. Lorsque tu te lèves le matin, le premier truc que tu fais, c'est quoi? Au lieu de faire tes 33, 34, 33 pompes, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 33 swipes et t'as 0 like. Tu fais tes 34 swipes et t'as 0 like. Ensuite, tu continues en faisant un pas de funk. Tu fais encore 33 swipes et t'as 15 posages de lapin. Si une femme te pose un lapin à partir de maintenant que tu avais rencontré et que tu es là, tu continues à attendre. Ah, je vais faire un silence radio, je vais attendre, je vais remonter son niveau d'intérêt, je vais pas la contacter et tout. C'est que t'as pas d'option. Si tu avais des options, tu dirais, bon, qu'est-ce que je fais? Je joue, c'est-à-dire, je vais avec elle, avec laquelle? Elle. Ah, j'ai un bas niveau d'intérêt. Et là, elle, son niveau d'intérêt, il augmente. Les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir, gros. L'inaccessible. L'homme qui est trop difficile fait l'inverse de tout ce qu'on t'a mis dans le crâne. C'est-à-dire que être trop chevaleresque. La chevalerie est terminée, les mecs. Désolé de vous le dire. Je mets un tampon sur ça. La chevalerie est terminée. Pourquoi être un homme? Tu peux être quelqu'un de correct, gros. Quelqu'un même, quelqu'un de bien. Mais pourquoi être un chevalier à l'époque moderne? Lorsque tu es dans ce premier date, t'espères, dans une zone d'espoir, à avoir un second date, c'est que t'as aucune option. Elle n'est pas dans l'espoir d'avoir un second date. Parce qu'elle a déjà eu ton attention et ta validation, car tu n'as pas mis tes intentions au clair dès le jour numéro 1. C'est-à-dire, tu montes ton intérêt, l'homme il propose, la femme dispose, reste cordial, reste correct. Mais tu deviens trop gentil car tu n'as aucune autre option. Et même si maintenant tu es avec une demoiselle et que tu n'as aucune autre option, joue le jeu. Joue le jeu.
développe-toi. Tu attires ce que tu es. L'attraction est une réflexion. Si tu te sens bien dans ta life, tu attireras des gens qui eux aussi se sentent bien dans leur vie. Mais tu n'as aucune option, tu n'as aucune opportunité. Pourquoi ton patron maintenant, en un claquement de doigts, il peut te virer? C'est que sur sa table, le patron, il a quoi? Il a une tonne de CV qui sont là, des mecs assoiffés qui sont là, qui sont prêts à tout pour prendre ta place. Mais c'est pareil dans le domaine des relations, que ça soit dans le domaine de la vente, des relations ou tout ce qui va avec. Tamponnage, balardage, Bezon United, c'est la même chose. La personne qui tient le pouvoir, c'est-à-dire la personne qui est la moins investie, c'est la personne qui a le plus d'options. Tu n'as aucune autre option car tu ne t'es pas mis au boulot. Tu attendais que les choses viennent à toi, à rester sur ce canapé. Peut-être si je regarde quelques vidéos, ouais, je vais avoir un mindset de mal alpha. Je vais mal alpha, bravo, tiens, tu as gagné ta médaille, mais tu n'as aucune option. Ta vie sociale. Ah, je vais être un loup solitaire. T'es pas un loup solitaire. Tu t'isoles des autres, frère. L'homme est un animal politique. Donc, les gars, comprenez un truc. Ayez toujours un esprit d'abondance. C'est ça qui vous donnera le détachement ultime, le détachement émotionnel ultime. Parce que lorsque t'es avec une demoiselle et que tu montres que t'es trop dans le besoin, c'est qu'essentiellement, tu la mets sur un piédestal. Tu la vois vraiment que comme l'unique opportunité dans ta vie. Et je te dis pas, frère, de mettre des nanas en face de ta femme. Ou, je te dis jamais ça. Je dis simplement de rester au top dans ton game. D'améliorer ton game dans la vie. D'être détaché. Et lorsque tu seras détaché et que tu auras des options, c'est là que ça fera comme un effet boule de neige. C'est-à-dire que tu commences en haut et la boule de neige elle devient de plus en plus grosse. Les femmes, elles sont attirées par les hommes dont elles sentent que cet homme-là, ces hommes-là, ils sont déjà pris. Pourquoi les femmes courent après les hommes mariés? C'est comme dans la vie, frère. Lorsque tu n'as rien, on te donne rien. Mais lorsque tu as beaucoup, on te donne encore plus. C'est pas moi qui ai inventé comment ça fonctionne, mec. Développe tes options, développe ta confiance. C'est en développant ta confiance en toi que tu amélioreras tes options. C'est quoi la caractéristique la plus attractive, la caractéristique interne la plus attractive pour une demoiselle, frère? C'est pas ton argent. Kevin Chico éclaté, Mouloud Bessal, Abdul B de fer, SS sans pitié. Ok, on est tous passés par des phases où c'est qu'on était fauchés, frère. Mais on avait toujours ce tigre en nous. C'est-à-dire lorsqu'on marchait dans la rue, on savait ce qu'on voulait. On n'avait pas peur du rejet. Comment gérer la peur du rejet? Développe tes options, frère. Développe tes options dans la vie. Deviens une personne attractive. T'as pas besoin de t'habiller comme un gentleman. Ton attitude parlera pour toi. C'est les caractéristiques intérieures qui attirent les femmes à toi. C'est pas des caractéristiques extérieures. Si t'essayes de gérer les meufs avec des gros bolides ou en ouvrant ton porte-monnaie, en faisant tomber un billet de 50 quand t'es dans ton rendez-vous, c'est pas comme ça que ça marche, frère. Oui. Elle peut te proposer un second date simplement pour t'utiliser. Parce que tu payes. Parce que tu penses que toi seul ne suffit pas car tu n'as aucune option. Restez connectés les gars. Abonnez-vous. Partagez. Likez. Faut que je me casse les mecs. Check!